someone else's bed was what I was waiting for. Oh my days, what have I done? She saw me sneaking out the door. What have I been waiting for? Been wasting all my time watching my youth slip away. It surely is a crime. And no, she don't know what we do in our spare time. No, she don't know that we've been up all night. Amoureux du hack and slash, bonjour! Comment allez-vous, messieurs? Bonjour, monsieur Dompteur. Salut, Arrache-tout.
Alors on va couper la musique tout de suite pour empêcher que la VOD soit défoncée, n'est-ce pas? Alors, ce matin, des sujets qui fâchent, ce matin j'ai envie de vous dire, des sujets terribles. Regardez, je vous invite dans mon chalet qui est vide. Ce chalet est vide, je suis actuellement derrière le canapé au fond. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai un peu peur le matin. Torchlight 3 et Darksider Genesis. Alors c'est le matin déjà hein. Darksider Genesis, j'en attends rien concrètement. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, peu importe. Par contre, Torchlight 3, c'est le premier jeu qu'on va découvrir ce matin. Et je sens que je vais me fâcher. Parce que moi j'aime beaucoup Torchlight 1 et 2. Et voilà, apparemment c'est pas ouf du tout. Donc on va se faire notre propre avis. J'autorise bien sûr les réseaux. C'est fort. Attendez, parce que c'est fort comme d'habitude hein. Attends, chat. Voilà, ah. Ok. Donc ouais, désolé, hein, mais en même temps, voilà, vous êtes habitués, hein, vous avez l'oreille entraînée sur ce live. Hein. Multijoueur ou solo, bah solo. Bien sûr, j'accepte d'envoyer mes données, ma 3080 Ti, bien sûr, 3080 Titan arrive hein, pour Cyberpunk en 2052. Salut Monsieur Guest Poète. Comment vas-tu, mon cher poète? Alors, oui, bonjour, oui. Je veux jouer au jeu. Eh bien écoute, je vais excellemment bien. Cinématique. It has been a century since the dark alchemist drained. Il y a pas de sous-titres, moi je comprends pas l'anglais. Using it to crack open the clockwork core and unleash the Netherum. Four great heroes ventured deep beneath our world to defeat the Netherlord and seal the clockwork core. Moi je jouais l'ingé hein. The heart of the dragon beast Ordrak. But now the heart surges towards the edge of destruction. Ordrak's spirit pumps through the veins of Novastrea and infests the ember within. The power of the Netherum threatens the world once more. An ancient evil reborn, reinvented. Now it is up to you. Face the challenges ahead and defeat the Netherum. Will you choose fate, fortune, or the future of the frontier? All right. Je vais voir si on peut mettre des sous-titres pour les moins doués d'entre nous. Ouais bon, on joue une heure et demie au jeu, je pense pas qu'on va trop se branler sur le lore. Alors, tireur, mage du crépuscule, forger ou ferrailleur. Donc en gros c'est rogue, mage, tank ou brawler je suppose. Je vais prendre le ferrailleur, moi ça me parle, je suis un chien de la casse, vous savez. Jericho! Moi j'aime bien ce nom, Jericho, je laisse. Ah, la moustache de Jericho, évidemment. Comme ça, j'aime bien. Hardcore, non. La couleur de peau, il est trop foncé pour toi Super, je te bravo, hein. Mais il est un peu mexicain. En tant que gardien de la frontière, le ferrailleur trouve une solution à chaque problème, suivi au sens propre par un train capable de destruction massive. J'ai cru que c'était un problème de traduction, je crois que c'était un entraînement. Par un train capable de destruction massive, le ferrailleur peut aplatir ou réduire en pièces ses ennemis tout en protégeant son équipe derrière des boucliers. Amical, loyal et toujours prêt au combat, le ferrailleur arrive toujours à point nommé. Allons-y. Je sais pas ce que ça implique. Ça implique quoi une relique?
Ah, donc la relique détermine tes skills. Soigne vos blessures quand les ennemis saignent. Invoque une nuée d'araignée et projette du poison mortel. Contrôle les foules, gèle et ralentit, repousse les ennemis. Relâche une décharge électrique imprévisible, brûle les ennemis. J'aime bien l'idée du poison dégueulasse, mais est-ce que je dois choisir en synergie avec ma classe ou on s'en fout? Parce que moi j'ai beaucoup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de trucs lance-flamme et tout, donc c'est peut-être ça que je devrais prendre en fait. Prenons le briseur enflammé. Ok, allons-y. Parce que je vais pas m'arrêter et lire 40 compétences, hein, vous doutez bien. Et le pet, forcément, la marque de Torchlight. Hein. Et ça va sans dire qu'on fera forcément le chien, le doudou évidemment. Alors, dans les modes de difficulté élevés, les monstres se déplacent plus vite, infligent plus de dégâts et disposent de plus de PV. Les champions sont plus fréquents et les boss sont plus résistants. En multijoueur, le niveau du bouclier indique aux autres joueurs la difficulté la plus basse utilisée par ce personnage. Vous ne pouvez créer de groupe qu'avec des personnages, ok. Mais du coup, quel intérêt de monter la difficulté si juste les boss sont plus résistants et tout ça? Il n'y a pas plus de loot? Ah, ok, 5% gear luck. On se met en difficile, histoire de voir. Ouais, il y a plus de loot, ouais, il y a 5%. On se met en difficile, c'est médium. De toute façon, c'est une découverte, hein. Si on fait une découverte et qu'on meurt en boucle dès le début, ce sera pas ouf. Est-ce que le son est ok, messieurs? Nickel, merci, Dompteur. Alors... Bon, je suppose qu'au niveau des contrôles, ça va être assez basique. Alors, j'ai déjà un skill... Construire un train. Activé pour construire un train. En faisant cela, vous passez le ferrailleur en mode pose de rail, vous permettant de placer des rails derrière vous continuellement en avançant. Rappuyez sur la même touche pour désactiver la compétence. Votre wagon de tête tire passivement les ennemis infligeant 30% de dégâts de l'arme. Ça a l'air assez assez chelou et j'aime bien les classes un peu ouais ouais, tais-toi. Alors qu'est-ce qui est ennemi? Ok. Les classes un peu uniques, c'est assez stylé. Alors, par contre j'appuie sur 1 pour faire ma compétence, mais c'est non. Il se passe rien, donc peut-être que je peux pas encore la faire. Ah, peut-être qu'il me faut des endurances. Est-ce qu'il y a un coup là-dessus? Non. Bon, en tout cas, ma touche 1 ne fonctionne pas, donc... Level up. Nouvelle compétence. Faites gagner des niveaux de votre personnage pour recevoir des points de compétence et dépenser les pour améliorer les compétences de la... Oui, bah d'accord. Jusque-là, rien. Ok. Ok, fallait rester appuyé. Par contre, ma touche 1 ne fonctionne pas. Est-ce que c'est dû au raccourci qui... Voilà, j'en étais sûr que c'était ça. Ah, attendez, vous savez quoi? On va plutôt réinitialiser, on va se mettre en QWERTY. Voilà, ok. C'est marrant ce personnage qui construit des trains là. Le son est bizarre, vous trouvez pas? En fait, c'est une tourelle mobile que j'ai, quoi. Ouais, j'avoue, ouais. L'esthétique, vous pensez aussi à ça. Alors, est-ce que c'est possible de voir les items au sol tout le temps? Alors, afficher les dégâts, oui. Toujours afficher les noms, c'est quoi? C'est les noms des personnages, ça? Afficher le nom de compte au-dessus des personnages, non.
J'espère que c'est ça. Salut Dark. Ok. Alors, moi j'utilisais quoi? Une masse, et ça c'est un bâton, il y a plus de DPS. Attaque de base, frappe les cibles dans une petite zone, suite de 80. Ça a l'air plus rapide, il y a plus de DPS, donc allons-y, apparemment je peux me taper au cac avec. C'est marrant cette compétence, j'aime bien la compétence de train là. C'est rigolo. Ah bah tiens. Bah en vrai, vu que notre masse... On peut pas comparer? C'est un peu con ça. On va prendre le temps vu qu'on a récupéré un... Hein? Ah, elle me donnait la quête en fait, ok. Non Jonathan, je joue à la version qui est disponible sur Steam actuellement, qui est une version Early Access. Ah mais ok, fallait ouvrir le coffre, putain c'est pas clair. C'est la version classique disponible à tout le monde. On gagne de la renommée apparemment. En fait je me demande ce qui fait que les gens ont assez mal reçu le jeu. Parce que sur Steam il se fait bien défoncer. L'état des serveurs, vu que c'est un jeu en ligne. Ah c'est en mode full en ligne. Là pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Ah, le bâton est bien plus rapide. Là pour l'instant, si je devrais être critique d'un seul truc, c'est que je trouve que c'est très fouillis et du coup pour voir les ennemis c'est difficile. Après en ce moment je joue beaucoup à Last Epoch qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus... Oui beaucoup plus épuré graphiquement, plus moche hein, aussi. N'ayons pas peur des mots, ce jeu là est beaucoup plus joli. Bah c'est ma compétence donc ouais, tant que je le cancel pas, je pense que je vais avoir des compétences pour le booster en fait le train. Pour qu'il soit de plus en plus vénère. C'est un pet quoi. Bah ça le détruit, ça arrête le placement des voies. Il s'arrête là et je pense qu'il se transforme en tourelle fixe en fait. Et si je rappuie il revient quoi. J'aime bien, c'est original. J'aurai peut-être des bonus plus tard si je me positionne sur place, peut-être qu'il y aura plus de DPS ou quoi. J'espère que je vais bientôt avoir un skill pour dépenser mon endurance là. Putain, ils sont tanky les mobs. Salut Xien. Bah écoute, ça va et toi? On découvre Torchlight 3. En tant que gros fan de la série, j'ai des attentes. Pour l'instant, c'est pas mal. J'irai juste un petit problème de visibilité, mais sinon... Sinon, c'est plutôt pas mal. Oui, mais le bâton avait plus de DPS. Donc le jeu il est full online c'est ça? C'est un peu dommage ça. Ah y'a du solo quand même, donc les mauvaises notes c'était quoi? C'était des gens qui jouent en multi, qui se plaignaient de l'état des serveurs en multi c'est ça? Ah, t'es bien obligé d'être connecté en ligne pour y jouer, donc c'est bien de la merde, on est d'accord. Bah pour l'instant, on peut monter qu'une seule compétence, donc allons-y. Donc il y a des bonus de palier. La tourelle passive. L'attaque passive de la tourelle, pardon, est 25% plus rapide.
Enfin déjà pour moi le fait d'être obligatoirement en ligne pour jouer à un jeu solo, bon, voilà quoi. Déjà pour moi c'est un gros point noir quoi, clairement. Un monstre légendaire qui va mettre 8 ans à mourir. Ouais, le jeu il est à une trentaine d'euros je crois. Entre les HP des mobs, au secours. Hein. Ah voilà, on a une masse. Un œuf du chaos, the fuck is that? Un focaliseur. Impossible d'équiper avec une arme. Avec une arme à deux mains. Ben voilà, parfait. En lançant fracas d'épée, lance une autre compétence de relique aléatoire. Voilà, du coup. Ouais mais tu fais bien je trouve, parce que moi c'est un genre qui m'intéresse donc Bah... ah non ok, il y a d'autres points aussi. Ah putain mais j'aurais pu récupérer d'autres skills en fait, moi j'étais resté sur le truc de conducteur. Parce que... ça veut dire qu'il y a que ça comme skill, donc il y a ça, plus ça, et ça après c'est la relique donc qui peut être commune entre les classes. Donc c'est vrai qu'au final c'est pas forcément énorme quoi. Après à voir... De toute façon ça va être très difficile de se faire un avis en moins de 2 heures sur ce jeu, hein, clairement. Par contre, j'ai vraiment le feeling au niveau du combat de Torchlight 2. Par contre, ils ont craqué sur les HP des mobs. Hein. Ah, donc tu peux jouer sans connexion internet, Exienne. Your health is low. Alors du coup ma tourelle copie mes mouvements, j'ai l'impression aussi. Et là je suis juste en difficile, mais le scaling c'était pas les HP des mobs si? Y'avait pas écrit juste la vitesse de déplacement des mobs le scaling? Un fusil, rien ne nous empêcherait de jouer distance en vrai. On va tester un peu le gameplay distance. Voir comment ça rend. Après le fait que le jeu soit un peu plus lent, enfin tu vois que les mobs soient tanky etc, c'est pas forcément un truc qui me dérange. Parce qu'en vrai le zoom zoom, la méta zoom zoom killing dans la Hack and Slash c'est pas forcément un truc qui me passionne. Donc en fait je peux le laisser en stationnaire et amorcer à distance et au moins mais les mobs restent dans la tourelle quoi. Wow, ce qui m'a mis. Attends, qu'est-ce qu'il me dit consommable? Ouais ok d'accord. Oui, mais je parle pour le scaling des mobs, Exian. C'est que le mouvement speed des mobs. Putain, par contre, on a pas de DPS, c'est un délire, quand même. You are near death. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux, ça.
Attends, je vais reculer parce que je meurs en fait. J'ai pas vu comment je pourrais récupérer de la... des popos par contre. You are dying. Oh mais c'est un peu con vu qu'il y avait le bâton avait plus de DPS. Je vais mourir. Non, pas de potion. Putain, j'avais cru qu'il y avait écrit télétravail, quoi. Potions for you, potions for your little friend. Hein? Ah, j'ai déjà plus de gold. Parce qu'en vrai, on peut envoyer son pet, hein, pour... On peut envoyer son pet, théoriquement, pour vendre. C'était un peu le point fort de... See you next time. De Torchlight. Enfin, une des bonnes features. Yes, yes. Et Dark Slider Genesis, tu l'as fait Xen ou pas? Parce que je sais que tu es porté sur le genre hack and slash. C'est le deuxième jeu qu'on fera vers 10h30 je pense. Hein. Ah, ou avant si celui-là me casse les couilles. Donc le boss, on va y arriver ou pas? Grande épée et une fourche ancestrale, donc ça c'est un bâton de caster hein, je suppose. Ah, y a moins de DPS. Y a moins de DPS mais c'est quoi attaque de base? Taillade les ennemis avec un mouvement circulaire lent infligeant 350 de dégâts d'âme. Elle est où l'attaque speed? Est-ce que je suis aveugle? Vers 10h30 par là, Exian, plus ou moins. 10h30 en tout cas, c'est le dernier délai. Je vois pas d'attaque speed, hein. Parce que, est-ce que dans les 8,3 de dégâts, il compte les 25% de chance de brûler l'ennemi et de faire 40% des dégâts de base? Parce que si c'est compté dedans, c'est nul. Mais si c'est pas compté dedans, ça veut dire que c'est plus fort. Même les stats me paraissent très... En fait, ça paraît... Ah, un nouveau pet! Et un coffre de boss. Ok, nice. C'est une arme ça? Ah oui, c'est un focaliseur, c'est un truc comme un gauche, ok. Les stats ont l'air très simplistes en fait. Je sais pas si c'est que le début, mais tu vois, sur la feuille, il n'y a pas d'attaque speed sur les armes, les. Ça, c'est toute ma fiche perso ça? Ça paraît assez simple. Après, je ne sais pas. Okay. On va récolter des arbres, il y a du craft. C'est quoi ce délire de devoir récolter des rochers et du bois là? You have completed a quest. You have gained a level. Alors du coup, le level, faut pas que je me fasse avoir.
Ah oui, parce qu'en fait, il n'y a rien qui t'indique que tu peux voilà, dépenser tes points ailleurs. Marteleur, du coup. Alors, en vrai, les compétences de train, là, je trouve ça rigolo, moi. Mais il nous faudrait quand même un skill actif qui consomme de l'endurance. Abat votre arme sur le sol et inflige 30% de dégâts de l'arme dans une petite zone. 10% de chance d'étourdir les ennemis touchés. Si l'ennemi est déjà étourdi, les dégâts sont doublés. Bonus d'endurance, vitesse d'attaque et dégâts de base augmentés de 30% pendant 6 secondes. Ok, c'est pas mal, hein. Envoie une charge explosive. Ok, on va prendre le coup de marteau là. D'accord, Exian, ok. On doit tourner en ville du coup. May the fallen soldiers rest in peace. All right. Grateful for your help, recruit, but we must resume our mission. I need you to gather medicine while we're short-handed. Il faut visiter le gambler. People back in Red Haven counting on you. Qui est, on sait pas où. Quest complete. On doit aller par là, allons-y, on suit point d'interrogation, voilà, c'est simple. Cueillette de champignons, et ça c'est beau. On sort le petit train. Allez, la tanière troublée. Alors, c'est le moment où la carte ne reste pas au milieu de l'écran. Non, c'est bon, c'est moi qui devais bugger. Ok, on y est. Niveau 4, c'est mon level. Bon, elle est lente l'épée, hein. Elle tape fort, mais. En fait, c'est ça qui est dommage. On est bien d'accord que je vois pas l'attaque speed sur les armes, hein. À part dire que c'est un mouvement circulaire lent. Que le fil de l'épée est nul à chier, hein. Je le dis. Rip le petit serpent. Un petit boss. Je prends tellement cher. C'est long. Une coriace, hein.
Un champignon azur, the fuck is that? Salut Kenrix! Un marteau et un allume-feu, mais un allume-feu ça va être quoi ça? Une épée, une main? 8,5 de DPS. Marteau est à 10, c'est le truc qui dépasse le plus pour l'instant. Au niveau des stats, c'est quoi? Ouais, c'est la zone qui frappe. Plus 1 au train, c'est stylé ça. Plus 1 skill level to build train. Ça, c'est un truc aussi que j'appréciais beaucoup sur Torchlight 2. C'est que dès les bas levels, en fait, vous avez des items intéressants. Vous avez des items qui boostent vos stats, qui boostent vos skills, etc. C'est assez agréable. Et salut Coco, le cola! Donc ça, c'est assez stylé. Et on débrouille encore un pet. 15% de chance de coup critique aux alliés proches. J'ai même pas vu c'était quoi le boost de mon pet à moi, en fait. On va l'envoyer au fort, apparemment. On a une espèce de base, un hub. Un hideout, hein. Bien sûr. En fait, on est venu ici pour les champignons, d'accord. J'avais même pas suivi l'histoire. Et retournons à télétravail. Alligator. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un focaliseur et une épée. Mais les épées, j'aime pas, c'est lent. Ah non, coup circulaire rapide. Alors attends, du coup, les épées... Ah non, mais c'est une épée de main, d'accord, ok. On va rester sur l'arme de main. Cassons-nous, du coup. Oui, d'accord, ça invoque un portail, il faut cliquer dessus, d'accord. J'attendais comme un gland. Good job with the mushrooms, recruit. What's that? A giant purple. Hey, adventurer. Alors. I heard you and the general talking. Giant purple monsters? You must mean the Netherin. Long on va prendre ça vu qu'on a un pantalon nul. But the heroes of the past banished them. Je trouve ça bizarre que. Tu sois obligé de. Enfin, que le PNJ te donne un coffre à ouvrir, c'est étrange comme choix. Pourquoi pas, hein? Protection contre le feu, why not? Chut, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Merci. The passage has been blocked since we were attacked by the Snotskin tribe. Before you can. Allons au passage! Je peux pas y retourner directement, mon TP il va plus rapide. Tirer la carte cas contact. Ah! À cause du boulot, à cause de quoi, Kenrix? Tu vas avoir le privilège de te prendre un coton-tige dans le pif. Ta maman, bah voilà. Ta maman, elle se lave pas les mains et voilà ce qui se passe. Bravo. Après, du temps que c'est pas vénère, ça va. Je sais pas où je dois aller, hein. J'ai plus de point d'interrogation sur ma carte, donc moi je suis perdu. Hein. C'est pas grave, on se balade. J'ai combien de chances de crit? C'est quoi ça? Contrat d'aventurier? You're nearly dead. Oh merde! Oh, il y a une mimique! Ah, il y a un boss! What the fuck, j'avais pas vu! Thank you.
You are dying. Ça passe. Gained a level. Level up. Canon à main. Parce que du coup, on pourrait jouer flingue. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en main gauche du coup? Un bouclier? C'est quoi l'endurance? Régénération d'endurance par seconde. Ah, l'endurance, c'est mes skills. Mais du coup, mon skill là ne fonctionne pas. Ah, si, ok, je peux attaquer à distance, mais je peux faire ça quand même, ok. J'ai 8% de chance de crit de base. Ah, et ça, par contre, ça rajoute des dégâts de glace. Plus 27% de dégâts bonus avec les attaques de base. À la place du shield. On va tester, hein. Je sais pas si je peux respé. Wagon à mortier, incompatible avec le wagon lance-flamme. D'accord. Votre tourelle tire un mortier, un objet incendiaire, passif, crée une tourelle à mortier au wagon sur le queue. Ok, d'accord. Ou alors, un wagon bouclier, bah, go le wagon. Go améliorer le train en vrai, hein. On va essayer d'aller choper le premier palier avec les 25% d'attaque speed en plus. Donc du coup, j'ai ça. Et si je... Ah mais il y a déjà le mortier, d'accord. Ah mais c'est un actif, le mortier. Attends, actif, votre tourelle à mortier tire un obus incendiaire fusant. Passif, crée une tourelle mortier à la... Ah oui, non, d'accord, donc il y a un boost en fait. Il y a un actif et un... J'aime bien ce système de classe, en tout cas le train là c'est assez stylé. Je sais pas quelle classe, si y'en a qui ont testé le jeu, quelle classe vous avez testé, mais le délire du train c'est assez sympa je trouve. C'est original en tout cas. Il tire passivement, on est d'accord, hein, oui. Parce que moi, je peux retirer en plus un obus qui fait plus de dégâts et qui fait de la haute. Le bruit de l'or est insupportable. Ah oui, attends, mais elle spam de ouf la tourelle, what the fuck. Bon alors attendez, faudrait peut-être un peu se... focaliser sur la quête là. Allez au passage télétravail, allons-y. Hein. De télétravail putain, de travail, faut que j'arrête. Hein. Fatigué le monsieur. Hein. Everybody needs a pal. Alors du coup... So soon. Envoyez votre famille pour vendre des objets. Comment j'ouvre l'inventaire du pet? Familier. Donner au familier c'est X. Il est full? Non, ça je peux pas lui donner. Ah ok, faut rester appuyé parce que c'est un truc légendaire, ok. Et normalement on peut demander aussi au pet de revenir avec des potions. Du coup t'es en quarantaine Kendrick, c'est quoi le plan du coup? Ok, donc là il est parti pendant 2 minutes. Ouais mais c'est une épée, je voulais jouer à distance. Juste pourquoi? Parce qu'il y avait des affixes particuliers dessus. Ok, je regarderai sur les prochains, j'en ai déjà eu deux donc... Bon, les trucs de récolte par contre, je vous avoue que je passe. Attends, mais je suis venu ici. J'ai raté le truc de quête, c'est ça? J'ai déjà fait tout ça. Bloqué dans le tutoriel, hein, c'est bien moi.
Ah mais d'accord, passage de travail, c'est une autre zone en fait. Bon c'est pas grave, on y retourne. Hein. It's a trap. Allons-y. Ce pistolet est agréable à utiliser en tout cas, il est rapide. Your pet has returned. Petit effet de dézoom de caméra. Salut Mata. Les mous du genou. Terrible. Moi, vu la gueule de la carte, j'aurais dit que c'était pas là. Mais... Ah, bah si, c'est là. Ok, bon, bah tant mieux alors. Mata le non-sub, hein, le légendaire. Créature mythique. Allez go, passage de travail. Vaincre Fouet-Jarret, le maître des potions. Donc dégâts rouges, c'est quoi? C'est dégâts de saignement? Car besoin de chance de faire saigner la cible, ok. J'ai fait Darksider 1 que j'ai beaucoup aimé, Darksider 2 j'ai pas aimé. Et... j'ai fait celui avec la meuf là, mais c'est pareil, j'ai pas trop aimé. Ah mais ça met des dots. Et je tag beaucoup plus vite aussi. Le 2 c'est avec Death. Mais le truc en fait, j'ai pas du tout aimé l'évolution des Darksiders. Le 1 ressemblait vachement à du Zelda-like dans l'exploration et dans les mécaniques. Les 2 ils ont à partir du 2 ils ont commencé à nous casser les couilles avec des raretés et tout ça là. J'ai l'impression de jouer à un MMO en mode solo. J'ai pas du tout aimé. Mais là, celui-là du coup, c'est un hack and slash apparemment, Mata. Donc tu peux même pas vraiment les mettre avec avec les autres. Je peux pas faire de portail ici, d'accord. Aucune idée, Mata, je t'avoue. Moi j'ai fait le 1 et le 2, c'est sûr. Après, le 2 m'a vacciné, quoi. Obtenir un sac de graines de chance d'un champignon, récupérer le terreau d'arbre. Attends, c'est quoi ma quête principale dans ce merdier là? Aller au champ disputé. Construisez un refuge pour vos autres familiers. Ah, oh, c'est mignon. Appuyez sur F pour personnaliser votre fort. Sélectionnez coffre puis général. Attends, il y a un dé. What? Ah bah, cliquez, il arrive, il pleure. Super. Attends, mais je suis où là? Fort de Leinhardt. Coffre partagé.
Ça va, Clicking? Donc il y a un délire de craft de base, de hideout, ok. Et comment je vais là du coup? Comment je retourne là? Comment je me casse de ce fort, au secours? Faut bien que j'aille au passage de Trevail pour aller au champ disputé, on est d'accord. Pourquoi il m'emmène au fort de Leynars quand je clique sur passage de Trevail? What the fuck? What the fuck? Ah, c'est sur la route, c'est ça? Champ disputé, ouais. C'est pas clair, hein. Mais on y est, donc peu importe. Ah oui, c'est un flingue électrique là du coup. Garde de faire un dot. Non, c'est le bordel. C'est très fouillis, hein. J'ai du mal à voir ce qui se passe à l'écran. Après, il y a aussi le fait, je suppose, que je ne connais pas le jeu, donc pour identifier les trucs, c'est un peu plus difficile, hein. C'est souvent le cas dans les jeux. Vous avez pas du mal à voir les ennemis? Je trouve qu'il y a trop d'effets en fait, non? J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à l'écran et qu'on voit rien en fait, c'est... Et je suis bas level, c'est ça qui fait peur en fait, surtout. Alors je vous avoue, le côté récolte là, c'est terrible. Hein. Je cherche les petites barres rouges pour voir les ennemis. Un boss. Ouais, il fait mal. Non, oh, mais c'est mon clic droit qui me donne le boost d'attaque speed. Oui, c'est ça, ouais, ok, d'accord. Sac de graines de chance, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il vous défense? Mais ça correspond à quoi de la défense? Ça veut rien dire. Parce que 5% d'esquive, ok. Plus 8,86 de défense. Donc j'ai 43, ça veut dire que je bloque 18% des dégâts, c'est ça? Bah, je perds que 4% de dégâts absorbés, mais je gagne 5% d'esquive. C'est vachement rentable. Plus 2 de dégâts de feu, ça c'est la masse qu'on a trouvée. Et le bâton, ok. Je suis mitigé. Il y a des points sympas, il y a des points... Je pense que là tout de suite, le plus gros problème que j'ai avec le jeu, c'est la visibilité. Mais encore une fois, ça peut être dû au fait que comme je connais pas le jeu, j'ai du mal à identifier les ennemis, etc.
dois faire quoi là en fait? J'ai fini ma quête non? Tutoriel, tutoriel. Allez à la faille. Où est-ce que je vois la carte globale? Est-ce que je peux voir la carte globale? La Fudo descend de deux étages maintenant, ça fait plaisir. La petite sonnerie à 10h nickel. Et le procédé rose qui va mettre 400. Quoi? C'est quoi ton histoire, Clicking? T'as une fuite d'eau chez toi qui inonde tes voisins, c'est ça? Pauvre. Les dégâts des eaux, c'est insane. Mais t'as une assurance maison. T'es obligé d'avoir une assurance maison, donc... Excusez-moi, petit mouchage de circonstance. Bon, vous en pensez quoi juste là, les gars? Jusque là du jeu? Parce que personnellement, je me suis jamais penché sur le jeu. J'ai regardé aucun stream dessus. J'ai regardé aucune vidéo. C'est pas... On est d'accord, hein? Je vais dire un mot, je trouve ça très lisse. Je trouve ça trop lisse. Je sais pas comment dire en fait. Je trouve que c'est très... Je sais pas. Je ferme ma gueule sur la vie. Bah pourquoi, Exian? En fait, j'ai peut-être la DA. La DA qui me plaît plus, je sais pas. En fait, je trouve ça très... Genre, il y a des bonnes idées, mais je sais pas, je trouve ça fouillis. On a encore une demi-heure hein, pour un peu avancer, mais pour l'instant, c'est pas incroyable. Hein. C'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois. Par rapport à la concurrence actuelle. Alors attends, du coup, 20 juillet, voisin qui sonne, appelle assurance expert, cherche de fuite qui vient, il trouve pas, on appelle des artisans qui trouvent, on a un devis pour tout réparer et tout remettre en état à peu près, 10 000 euros. Ah, assurance envoie expert qui estime à 2 000 euros les répas, donc pas d'accord forcément, bataille juridique contre expertise le 17 novembre. En attendant, on a le droit à rien réparer. Bah oui, forcément, oui, pour que l'expertise reste en cas, ça rend ouf, on ouvre l'eau 20 minutes. Putain, c'est l'enfer hein. Mais ouais, c'est entre guillemets... Enfin, c'est comme ça que ça marche, hein. Quand t'as un truc en expertise... Une grosse ambiance. Est-ce qu'on a la faille? Oui. Un objet violet, est-ce qu'on en a trouvé? Ah, c'est du craft dans l'objet violet. Je crois, ou... Ou c'est de la quête? Ça doit être de la 4 plutôt, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Le délire des reliques là, c'est un peu space, hein. Testons ça. Attends, c'est un Cubora Dream, c'est ça? C'est le truc de Détroit? On peut utiliser l'essence d'un légendaire là-dedans? Là, au tout premier bord, c'est, ça me fait penser à ça, hein, mais... Ouais, c'est exactement ça, quoi. Donne accès à des compétences passives à votre personnage, sélectionnez un emplacement pour déverrouiller les compétences supplémentaires. Ouais, c'est le Cubora Dream, quoi. C'est le Cubora Dream de Détroit, quoi. Ah bah il servirait à quelque chose, Dompteur, ils auraient plus de business, hein. Que je me pose, c'est est-ce que les stats, les affixes de l'arme dessous sont comptés dans le DPS local de l'arme ou pas? C'est ça, c'est apparemment moins bon, mais c'est juste pour tester. L'animation au fusil est sympa, je trouve. De la régène, c'est terrible. Hein. La régène d'endurance là. 8-8, on va rester comme ça. Hein. Petite masse. Ça c'était sympa, tu vois, ce fight là.
Avant de ne pas voir les items au sol, ça m'en ouf. Pas pouvoir voir le DPS des armes directement par terre. Et c'est vraiment très très... Franchement, comme je l'ai dit, hein, mais... C'est vraiment très très fouillis, quoi. Après, je pense que mon... Ma classe aide pas, je suppose. Il y a des ressources, donc je suppose qu'il y a un système de craft ou un truc du genre. Ça aussi, pour moi, c'est un point négatif. Enfin, le côté récolte, ça m'emmerde en fait. On voit comme ça. Pas que c'est négatif, c'est que ça me plaît pas, quoi. C'est pas pareil. Parce que je peux comprendre que ça intéresse à même personne. Son de vue, bon, ça peut me taper sur la tête par contre. Un peu trop baissé là. Pour une fois, la jauge sert à quelque chose. Fusil à explosion. Toujours moins de DPS que mon arme. Mais plus 1 au talent build train. Build train qui me donne quoi déjà? Construire un train, c'est ça. Hein. Mais du coup, est-ce que le plus. Où est-ce que je vois le plus 1, tu vois? Niveau bonus 1, donc je suis à 4. Niveau 3 sur 10, niveau bonus 1, donc je suis à 4. Je suis mitigé, tu vois, il y a des bonnes choses. La classe est originale. Le gameplay, je pense, peut devenir sympa une fois que t'as beaucoup de... Une fois que t'as pas mal de skills, quoi. Mais le système de récolte, j'aime pas. Les visuels sont... J'ai du mal, en fait, avec le visuel du jeu. Le jeu est très beau, mais en fait, il est trop détaillé, je trouve. Il est trop fouillis. Et après, là, le truc que je vais dire, c'est peut-être parce que je suis un connard d'élitiste dans la hack and slash, mais ce 45 points de vie, c'est un tiers quoi comme roll? C'est quoi la plage de roll maximum? Tu vois? Là, il n'y a pas d'attaque speed sur l'arme, donc tu peux pas te rendre compte rapidement si c'est une arme rapide ou pas. Peut-être pas assez de détails dans les items. Ah, attends, faut que j'aille où là? Par là, je suppose, à gauche. Oula! Par contre, vrai gros problème là que je viens de me rendre compte absolument tout de suite. J'appuie sur 2, vous savez, pour mettre ma compétence pour tirer mon mortier là. Mais quand j'appuie sur 2, mon personnage se déplace tout seul. Regardez, là j'appuie que sur 2. Ah non, là ça le fait plus. Ah, parce que le skill est en cooldown. Bah, perso, j'ai beaucoup plus aimé Torchlight 2. Après, là, le problème, c'est que Torchlight 3, j'ai très très peu d'heures de jeu, Malix, donc je peux pas vraiment te déconseiller le 3, on va dire. Moi, ce que je pourrais dire, Malix, c'est que tu prends Torchlight 2 et tu prends le mode révision. Je sais plus c'est quoi le mode qui rajoute des classes et tout. Et t'en auras pour pas cher et un très bon hack and slash, si t'as envie de te faire un Torchlight. Le 2 avec le... Il y a un énorme mode, je sais plus c'est quoi le nom du mode, mais c'est un des modes les plus gros, donc... qui rajoute beaucoup de classes, beaucoup de pets, beaucoup de trucs.
Et tu peux l'avoir pour 2 francs 6 sous. Ah mais c'est sur Switch donc. Est-ce que sur Switch il y a des mods? Je pense pas. Là il y a pas de mod sur Switch, ouais, c'est ce que j'ai pensé en fait. J'ai bien aimé Torchlight 2, ce Torchlight 3 est meh. Je sais pas, il y a quoi comme hack and slash? Tu vas tout prix de faire un Torchlight? Parce qu'il y a quoi comme hack and slash sur Switch? Puis je pense, comme dit Exien, tout dépend aussi peut-être ton expérience dans les hack and slash. Parce que comme je disais juste avant, tu vois, par exemple, le fait de pas avoir des tiers et des rolls sur les items, ça me trigger. Moi, je dirais que l'achat le plus raisonnable pour un jeu plus complet et beaucoup moins cher, le meilleur achat reste Torchlight 2, en tout cas par rapport à Torchlight 3 dans l'état actuel. Après, à voir comment va évoluer le jeu, parce que c'est... Attends, mais il est bien en Early Access, Torchlight 3, là. Ils sortent des jeux en Early Access sur console, maintenant? Moi, je suis désolé, hein, les consoles, je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. La dernière console que j'avais, c'était une Xbox, donc la première. Hein. Donc, désolé, hein. Bah ça c'était le problème sur Torchlight 2 aussi. Ah il en a 1.0, ok. Il est plus en Early Access, d'accord. Ça c'est le problème dans les deux jeux, Malix, hein. Les sacs à HP dans Torchlight 2 c'était le cas aussi. C'est un peu le problème de Torchlight. Le scaling de la difficulté se fait beaucoup via des pools HP de mobs débiles. Quoi. D'accord, ok. Ouais. Et salut Kars. Mon petit lamentin aux herbes de Provence et aux arômes de citrouille. C'est bien les herbes de Provence en tout cas. Hein. Parce qu'en fait j'aimais beaucoup la série des Torchlight étant beaucoup plus jeune. Torchlight 1 et Torchlight 2. Et je sais même pas en fait si je rejouerais à Torchlight 2 maintenant, est-ce que j'aimerais toujours, tu vois. Qu'il y a d'autres... Enfin, tu vois, en ce moment, je joue beaucoup à Last Epoch, que je trouve en tout point largement supérieur à ce jeu-là. Si, peut-être les graphismes et l'optimisation de ce jeu-là ont l'air meilleurs, parce que... Last Epoch, niveau optimisation, c'est un peu de la merde en batte, hein. Ouais, Gagaro, je vais sûrement refaire quelques streams, là, je suis en train... Putain, d'ailleurs, hier, pour ceux qui connaissent le endgame de Last Epoch, enfin, pour ceux qui connaissent pas, en gros, vous avez un monolithe, vous enchaînez des quêtes sur ce monolithe, enfin, des maps, en fait, hein, un peu à la PO, vous enchaînez des maps dessus, ça monte un level de monolithe, et après, vous avez déclenché des events. Hier, je me suis dit, je vais tenter de lancer le jeu sur mon PC portable, qui, genre, fait tourner The Witcher 3 à 60 FPS en ultra et tout, tu vois, donc un bon PC portable, tu vois. Je lance le jeu... je lance Last Epoch sur le PC portable, je me dis bon ça lag un peu le cul, mais bon ça, on va voir tu vois. J'arrive dans la map, je commence à tourbillonner dans tous les sens, machin, je fais mes trucs. Ça freeze, le jeu se ferme, je fais ah. Je me reconnecte au jeu et j'ai un message. Vous avez eu un échec lors de votre dernière conquête de l'écho machin, enfin en gros je perds 2 levels dans ma suite de quêtes sur ma progression in-game tu vois. Je fais bon ok, bon c'est arrivé tu vois. Du coup je relance et je refais la même, le jeu recrash. J'ai dit bon, vas-y, c'est quoi. Et du coup, hier, je me suis connecté en fait et j'ai perdu 5 niveaux d'écho sur mon monolithe. Et voilà, merci, au revoir. Absolument, Kars. Hein. Ah, tu sais, là que je suis payé 10 000 euros pour jouer à Torchlight 3 hein, quand même. Hein. Plus un PC portable, top achat évidemment. Bon, il est 10h22, je pense qu'on va passer sur l'autre jeu. Hein. Conclusion sur Torchlight 3 pour cette première impression, je précise, hein, c'est une première impression, c'est très difficile d'avoir un avis, on va dire, franc sur un hack and slash au bout de 2 heures, c'est même impossible, hein, c'est juste une première impression.
Jeu visuellement sympa, trop fouillis, je trouve. Peut-être un manque de feedback au niveau des skills, je trouve que c'est assez plat. Les classes, la classe que j'ai testée est assez originale. Mais, pas grand chose. Hein. Next game. Hein. Next game. Bof, bof. Pourquoi pas si vous êtes un méga fan, mais sinon, je suis pas convaincu. À voir dans le futur ce que ça vaut, mais pour l'instant, pas fou, pas fou. Pas fou, pas fou. Autant joueur et Shadow Legend, on est d'accord, est-il ça? On est bien d'accord. Allez, on va lancer, du coup, mesdames et messieurs, Darksiders Genesis, le deuxième hack and slash de la matinée. Le deuxième hack and slash de la matinée. Est-ce que vous pouvez me confirmer que je suis bien dans la catégorie Darksiders Genesis sous le... dans la catégorie Twitch, s'il vous plaît? Confirmez, merci beaucoup. Bah tu vois, c'est ce que je pensais, Gagaro, mais est-ce que j'accrocherai encore aux deux après toutes les expériences hack and slash que j'ai eues entre-temps? Je ne sais pas. Ça, c'était vos oreilles, mais ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de vous rendre sourd de jour en jour. Ça devrait être mieux, désolé. En plus, le splash screen, c'est un putain de coup de tonnerre, quoi. Regardez qui voilà, Discord. C'est en français. On joue Discord, du coup, dans tu celui-là. Tu sais qui je suis. Ouais, bah oui, je l'utilise pour discuter avec mes potes. Jour, pardon, c'était une petite blague nulle. Elle était beaucoup plus costaud que toi. C'est Asmodan. Ah, Etils. On se connecte avec Etils. Que veux-tu, petit cavalier? Malgros le profanateur, pour avoir conspiré avec Lucifer, commis d'innombrables crimes contre l'ensemble de la création, et par ordre du Conseil, aujourd'hui je te condamne à mort. À mort. Tu entres chez moi, seul, tu me menaces, et tu espères pouvoir sortir d'ici. C'est vrai que c'est marrant quand c'est toi qui le dis. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu es encore là, je profanerai ton cadavre de manière que tu ne peux même pas imaginer. Je jetterai les restes à mes serviteurs. La viande de cheval est leur chair préférée. 2, 3. Désolé. On est pressé. Putain, un si gros démon qui se fait fraguer aussi facilement, what the fuck? War! Le seul bon Darksider, Darksider 1, bien sûr. Hein. Oh, mais je suis pas seul. On peut jouer guerre, stylé. Il était trop bien le 1, bah ouais, bah c'est le seul bien de la série, hein. On va voir celui-là ce que ça donne, mais... Enfin celui-là, encore une fois, je le compte à part. Hein. Je le compte à part. Non mais le 1, il a un game design super stylé, le 2, il est... Le 2, il est des... Le gameplay est ok, mais c'est du MMO, quoi. C'est du MMO en solo, quoi. Très bien, petit tour les options rapidos, c'est ce qu'on a des trucs à check. Flou cinétique, non. Merde, je crois que j'ai décoché un truc, non? C'est bon. Alright. Commencer une partie. Démarrer une partie en ligne, non? Une partie hors ligne, oui. Moi, je suis capable à 60 là, Gagaro, donc. Tu parles avec la G-Sync?
La guerre pour la domination d'Hélène a pris fin. Les Néphélim, une engeance contre nature, des anges et des démons, cherchèrent à s'arroger le paradis. Donc ça, c'est exactement le pitch de Diablo 3, enfin de Diablo tout court, pardon. J'ai pas eu le temps de lire. Choisis par le Conseil Ardent pour se dresser contre leurs frères et leurs sœurs, les cavaliers reçurent un immense pouvoir qu'ils gèrent d'utiliser pour protéger l'équilibre. Désormais, Eden n'est plus qu'un cimetière et j'ai pas eu le temps de lire non plus. Ciao Exen, des bisous. Bon courage pour le boulot. N'ayez pas de regrets. Ne doutez pas. Vos actions à Eden étaient tragiques, mais nécessaires. Eden a été créé pour l'humanité, pas pour les Néphilim. Cela a été une grande victoire pour l'équilibre. Et pour vous aussi, cavalier. Une victoire. Ils sont morts et furies. C'est sans importance. Vous êtes appelés ailleurs. Lucifer. Seigneur de tous les enfers, manigance l'anéantissement de l'humanité. Aussi faibles qu'elles puissent paraître, ces jeunes créatures sont une composante essentielle de l'équilibre. Nous pensons que le démon Samael, seigneur du donjon de Roche Noire, conspire avec Lucifer. Trouvez Samael. Démêlez cette intrigue. Servez l'équilibre. Montrez-leur ce qu'il en coûte. De défier le conseil. La forteresse de Samael est attaquée. Oui. Le conseil aurait pu nous en parler. Ses ennemis sont nombreux. Mais peu d'entre eux pourraient rassembler assez de forces pour l'attaquer directement. Je suppose que ça va pas être une conversation entre deux portes, du coup. J'en doute. Une chose est sûre, on va pas passer par la porte d'entrée. Approchons-nous et voyons ce qu'on peut trouver. Grave. Mais alors du coup... Bon, déjà c'est en QWERTY, mais ça c'est pas un problème. C'est pas vraiment ton typical hack and slash du coup, c'est un truc très... Putain, alors ça c'est console. C'est très scénarisé et... Je dirais que la bataille fait rage depuis un moment. Les remparts avant tiennent toujours. Les forces de Samael vont se déployer là-bas, ce qui affaiblira ses défenses ailleurs. Donc tu proposes qu'on essaye d'entrer discrètement ? C'est une bonne idée, mais ça te ressemble pas. C'est stratégique. Ok, ouais. On va invoquer d'autres joueurs. Ah! Wouah, c'est quoi ça en bas à droite là? What the fuck? Attends, quand même. Et donc comment je switch entre les deux ? Changer de personnage. Ah, y'a pas d'invent. Y'a pas de stuff en fait. Mais c'est genre plus un jeu d'aventure en vue de dessus quoi, c'est ça ? Parce que j'appuie sur I ou quoi, mais je vois pas de... Tab, amélioration, ça fait rien. Ah c'est ça. Une trentaine d'euros le jeu, écoute. Et des exécutes. Par contre ça en bas à droite là
Bah, c'est ce que je suis en train de voir en fait. Dès que je touche un mec, je peux faire une QTE pour l'exécute en fait. Attends, G c'est quoi du coup? Tirer avec les munitions 1. Mais attends, mais je peux sauter et tout. En fait, ça fait très jeu d'aventure. On dit, en fait, j'ai l'impression de jouer à Darksider, mais vu du dessus, quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça a pas un feel de hack and slash. C'est ça que je veux dire. Attends, mon clic droit, ça fait quoi là? Clic molette, c'est coup mêlé. Ah, mais genre, mon clic droit, c'est pour viser? D'accord, c'est juste pour me mettre en joue en fait, d'accord. J'ai pas lu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas lu. Putain. Est-ce que je peux grimper par là? Oui. Appuyez longuement sur espace après un double saut pour planer et glisser dans les courants d'air. Oh, stylé ça. Ok. Bah écoute, j'ai envie de dire, comparé à Torchlight 3, déjà c'est lisible, tu vois ce que je veux dire? Oula! Les chevaux ne peuvent pas être invoqués ou chevauchés à travers la barrière de chevaux. Ok. Nous détruisons. Attends, on va voir, Etis. Attends, attends. Nice. Alors, Clifter, appuyez longuement sur le clic droit pour charger et projeter une vague d'énergie vers l'avant, lacérant le sol et tous les ennemis sur sa trajectoire. Au niveau de charge élevé, la vague d'énergie se déplace plus loin et inflige plus de dégâts passifs. Toutes les attaques avec le dévoreur du chaos ont des chances d'infliger des dégâts et de projeter les ennemis au sol. Augmente de manière permanente la puissance d'attaque de chaque amélioration obtenue. D'accord. Ok. Des jauges de courroux, exécuter les capacités de courroux, ok. Allez, un peu d'action maintenant. Un simple échauffement. Bah en fait c'est... J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu d'aventure vu du dessus quoi, tu vois. J'ai pas l'impression de jouer à un hack and slash. Ils se ressemblent tous, très bien, on se fait ban. War me paraît beaucoup plus balèze.
Je l'ai sélectionné là ? Je pense que oui. Ah, et lui il a un contre. Ça normalement t'es censé le faire en deux joueurs, mais comme j'ai pas d'amis, bah du coup voilà. Overlord. Quoi, le jeu des gobelins là ? Des petits lutins, des petits mecs dégueulasses ? C'est de faire des contres. Essaye eux. Ah oui. Et lui il a quoi en eux? Ah les deux ils ont un hook. Ok ok. Get over here! Ça fait une sacrée chute. Fais attention. J'ai pas envie de regrimper là-haut. Ouais, surtout habillé comme ça. Doublage de Discord est ok, mais doublage de War. C'est l'histoire. Y'a pas de meuf. C'est Discord ou War les persos que tu peux jouer. Bien joué. Abonnez-vous. En vrai, le gameplay est sympathique. Hein. En main, c'est pas mal. Après, je trouve que tu peux un peu trop spam les exécutes, mais bon. Samael, s'il est encore en vie. Ce qui est sûr, c'est celui qui attaque Samy l'a sous-estimé. Nous ne ferons pas cette erreur. Confiné sans Ozo, elle est pas belle la vie, Kicking. C'est là, c'est bon, ça passe. Non, non, game over. C'est un jeu d'aventure vu du dessus, quoi. Ouais mais dis-toi Clicking que grâce à ça on va être insane sur Planet Side 2. On voit le bon côté. Pense à toutes ces accréditations qui t'attendent.
Ah mais tu vois ce que je veux dire, arrache tout. Ce que je dois faire là ? Je peux pas écouter. Bonjour Woolstone ! Apparemment fallait les détruire. Oui d'accord, c'est ça. C'est écrit à droite en gros. Ouais, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Objet mystérieux. Un objet mystérieux généré par un ennemi défunt. Il est empli d'énergie pulsante. Parce qu'il n'y a pas d'inventaire en fait, hein. Ça m'emmerde, hein. Je vais être honnête avec vous, je m'emmerde. C'est sûrement un bon jeu, mais voilà. C'est un peu... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Un beau jeu d'aventure, hein. Une belle aventure. Next game, du coup, ou pas ? Ou un petit Last Epoch On pouvait faire une découverte du late game de Last Epoch, hein. On a quoi d'autre à faire ? Il nous reste combien de temps ? Putain, il aura tenu un quart d'heure le jeu, quoi. Il reste FIF Simulator, mais j'ai pas envie d'y jouer. MMORPG Tycoon, j'ai pas envie d'y jouer. Rings of Pain, j'ai pas envie d'y jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attendez, je regarde ma liste. Hein. Je regarde cette incroyable liste. BPM, j'ai pas envie d'y jouer. Ça, c'est deux jeux de gestion, non. BPM. BPM, boulette per minute. Vous voulez qu'on teste ça ? C'est le jeu de Yoshiki. Vous savez, Yoshiki, c'est le mec qui est venu, qui a gagné une tombolaine, qui a récupéré Nahelbuck, qui l'a jamais lancé, qui est jamais revenu. Attendez, je regarde. Bullet. C'est ça le jeu. C'est un jeu de rythme avec des guns. En vrai, pourquoi pas, hein. Joue à Valorant. Bah juste, c'est éminent là. Cet après-midi, Valorant. Mais non, il est sur d'autres streams et il joue à d'autres jeux. Je l'ai stalké. Enfin non, je sais pas s'il est sur d'autres streams, mais il joue tout le temps, donc... Mais il arrête pas de jouer à Crown machin là. Putain, j'allais mettre de la musique, mais comme ça va aller sur YouTube, je peux pas la mettre. On installe le jeu, c'est imminent. Nous allons jouer à Bullet per minute. BPM. Je joue à Cyberpunk, non ? Bah non, j'ai pas encore ma 3080. Lol. Un jour peut-être, hein. Ah, mais moi je le vois tout le temps connecté sur ce jeu là. Je sais pas quoi. Je sais même pas ce que c'est le jeu là. On est en train d'installer le jeu, hein. C'est bientôt fini. Le jeu pèse 2 grammes. Ouais, Woolstone, c'est un peu le problème, hein. C'est quoi le jeu qui joue ? C'est Crown. Crown Trick, voilà, c'est ça le jeu auquel il joue tout le temps. Un RPG d'aventure magnifiquement animé au style... Oui ? Bonjour ? Salut Grimus ! Ça me fait vaguement penser à Dungeon of Dreadmore, vite fait.
Vite fait, hein. On se calme. Bon, ça a l'air sympathique, non ? Ah, c'est Team 17, c'est mes potes de Team 17. Je vais redemander à Alex de Team 17 de me filer une clé. Putain, mais ils éditent tellement de jeux, Team 17, ça veut rien dire. Hein. Ah non, mais justement, moi j'aime pas Hades et j'aime bien le tour par tour, donc ça me va très bien au Grimus. En parlant de Weeb, Vargas n'est plus venu sur le stream depuis l'affaire de Paul. Bah ouais, je l'ai raid en plus. Bah le soir où j'ai joué à Hammerting, je l'avais raid le soir. Mais oui, non, on l'a jamais revu. Mais je pense vraiment qu'il a mal pris à Rush 2. Hein. Après, bon, s'il suffit de dire le prénom de quelqu'un pour le trigger. Après, je sais pas, hein, qui est pas trigger. Hein, peut-être juste qu'il a sa vie aussi. Hein. Peu t'importe. Bah Rémi, bah oui, mon prénom me dérange pas. On a tous un prénom. Hein. Un Yann. Sinon, tu prends le Humble Bundle du mois, il y a pas mal de trucs sympas pour 10 balles. Ah ouais, j'ai pas regardé le Humble Bundle. Je vais faire caca chez Paul. Ah bah ça... On installe le jeu, hein. Alors, durée limitée, obtenez 12 jeux. Alors moi, je vais jamais sur Memorial. C'est ça les 12 jeux ? Tropico 6, on s'emmerde. Autonaut, je connais pas. The Sunless Bundle, c'est pas mal. Basement, je connais pas. Shadow Hawkening, je connais pas. Fate Tactics, je connais pas. Fantasy Black Speech, je connais pas. Light Matter, je connais pas. The Suicide of Rachel Foster, je ne connais pas. Goat of Duty, ça a l'air d'être un très bon jeu. Je connais aucun jeu en fait. Hein. Sunless c'est cool. Ouais. Un petit LP de quoi ? Un petit let's play ? Ah oui d'ailleurs, j'ai réfléchi, vous savez, on a terminé... Voilà, on a dominé la scène YouTube grâce à nos vidéos sur Amnesia. Regardez le pognon que je me fais sur YouTube. Regardez ça. 2 vues, 12 vues, 6 vues, 19 vues. Waouh ! Aucune vue, 2 vues, 10 vues, aucune vue, 2 vues, 1 vue. Waouh. Et du coup, je me suis dit, après avoir fini Amnesia, on pourrait faire les DLC de Alien, en vrai. Rappelez-vous. Les DLC de Alien. Ça pourrait être un truc à faire, ça va pas être très long. Ça sera moins long que le jeu de base qui s'est jamais terminé, rappelez-vous. On pourrait faire ça. Et le jeu qui avait bugué, ça en est où ? Bah c'est toujours au même point, Dompteur, ça en est où ? J'ai pas retrouvé le mojo de... En fait, il faudrait que vous m'accompagniez mentalement sur le fait de refaire le jeu du début, tu vois. Parce qu'en fait, ma save est fuckée, donc je suis obligé de refaire le jeu de zéro. Donc je t'avoue que... Voilà. Oui, Mata, c'est ça, ouais, tout à fait. Le jeu qui a fait bannir Lord Glenzarg, qui n'est jamais revenu sur la chaîne, rappelez-vous. Qui avait spammé le Discord et tout ça, du gros drama. Hein. Alien. Ogrimus, le dernier jeu Alien. Ouais, ou pas, ouais. Mais maintenant, c'est Aikev qui se le tape. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il est sur le live de Aikev tout le temps. Parce qu'en fait, il adore les bagnoles, et du coup, c'est Aikev qui se le tape. Et des fois, je vois... Parce que Aikev, comparé à moi, tu vois, il est beaucoup plus patient... Et beaucoup plus, comment dire, diplomate que moi, tu vois. Donc, du coup, il le supporte. Terrible, hein. Allez, les gars, on va jouer à BPM, suggéré par l'ami Yoshi. Donc, un jeu de rythme, un FPS jeu de rythme, donc why not ? Ça a l'air, le concept a l'air sympa, le jeu a été bien reçu. J'avais regardé, c'est qui que j'avais joué dessus ? J'avais vu, je crois que c'était Coquernage ou Lyric, je sais plus.
Oula. Allô ? J'essaie de baisser le son, mais le jeu m'en empêche. Non, non, ça n'a rien à voir avec le fait de spoil, c'est le fait que... C'est le fait que le mec est un peu retard sur les bords. Oh, attendez, j'ai une petite capture de jeu, mais on sera plus clean. Bon bah allons-y, je presse any bouton. Est-ce que je peux avoir le jeu en français, n'est-ce pas ? Retard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un d'exceptionnellement brillant. Not yet. Langage, not yet. Démerde-toi, hein. Langage, not yet. Bon, on y va, hein. De toute façon, c'est un jeu de rythme, donc en anglais ou en français... Ah, il faut... D'accord, ok, c'est les personnages. Ah, mais c'est les persos nordiques, non ? Frir, Hildr, Nord... C'est ça, hein ? Easy... Ah oui, Easy ou Hard ? Bon, go en Easy pour la première, hein. Ah, est-ce qu'il y a un tuto, madame ? Vous me dites hein, si le son il est trop fort. Hein. Alors, il y a une room en haut à gauche, une map. Ah d'accord, je peux pas tirer quand je veux. Oh putain, super, attendez. Attends, R ça fait quoi ? Hein ? Salut Aplo ! Comment je recharge, madame ? Ah putain, il faut tout faire en rythme, en fait. C'est pas évident, hein. Ok, on peut double jump sur les offbeat. Donc, ce que je suppose... Dites-moi, hein, c'est trop fort. Ce que je suppose, c'est que les offbeats, c'est les petites... les petits traits, et les beats, c'est les grands traits. Les musiques sont stylées, hein. Attendez, vous voulez que je regarde dans les graphismes, s'il y a un truc pour... Video and graphics. Asgard saturation. J'aime bien la zik, hein. Attends, j'enlève les saturations juste pour voir. Ah oui, d'accord, ok. Un peu moins rouge, en fait, ça serait bien, non ? Bon, je sais pas, je suppose que le jeu doit ressembler à ça, hein, donc... Bon, il faut viser et en même temps jouer en rythme. Bon, c'est pas évident du tout, quoi. What the fuck, quoi. Même pour reload, je dois appuyer en rythme. Mais tac, tac, tac. Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Depuis que j'essaye de le dire, j'arrive plus du tout. Attends. Ah, vous avez compris, j'ai besoin de faire les tac-tac, quoi. Hein. Donc en fait, je peux tirer, pour ceux qui comprennent pas, hein. Les grandes flèches qui arrivent sur mon viseur, c'est à ce moment-là que je peux tirer. Et pour recharger, c'est pareil, je dois recharger en fait en rythme, sur les beats de la musique, en fait.
Ouais, mais l'autorythme, ça tue le jeu, non? La musique est cool, hein. Attendez, là, au niveau de la saturation, on peut peut-être toucher des trucs. Alors, user interface. Oula. Allô? Ok, on va réduire un petit peu lui peut-être, ça va aider un peu sur les gros traits au milieu. C'est quoi ces saturations avec des noms chelous là? Autorythme, mais autorythme, ça tue l'intérêt du jeu, non? Ça veut le dire? Tiens, ok, on va faire ça. Moi le beat je l'ai en tête donc en vrai après je pense que la couleur rouge oui c'est comme ça et voilà quoi. Donc et en haut à droite c'est mon score du coup je suppose. Donc c'est un peu une espèce de roguelike c'est ça. Il y a des items room, on dirait. Shield régénération. Ah oui, j'avais pas vu. En bas à gauche. Ok, j'ai de la life. Alors attends, c'est quoi? Mes HP. Une clé, 12 trucs, je sais pas ce que c'est. Et apparemment, j'ai un item sur 4. Bon, je pense pas qu'il y ait trop d'exploration dans les décors, hein. On va peut-être laisser les saturations comme elles étaient de base, non? Si j'ai peut-être un peu mieux là, je pense, avec les... Parce qu'à la base, tout était à 100%, on est d'accord, hein. C'est rouge, quoi. Hein? Drogue! Plus 50 HP! Ah, c'est le même truc? Ok. Non, mais c'est normal, hein, vous en faites pas. Hein. J'ai fait Torchlight 3 ce matin, là, Ajax, tout à fait, ouais. Et c'était. C'était meh! C'était bof! Je mettrai la VOD sur le YouTube, hein, l'Ajax, au cas où, si tu voudras voir, ou sinon tu peux la regarder sur Twitch. Mais moyen, mon impression de Torchlight 3, Jex. Faut vraiment que je mette la... En fait, je vais mettre la musique forte dans la tête. Voilà, je monte le son de mon côté. Parce qu'il me faut le beat. C'est encore un shop, ça? Oh! Ah, mais... Stylé. Est-ce que chaque arme a un rythme différent selon le beat? Ça doit être un shotgun, il n'y a que 6 balles dedans. Ah putain, lui il a... 1, 2... 3. Il y a 3 étapes pour le reload, le flingue là. Donc si vous venez d'arriver, hein, c'est un jeu de rythme. Et toutes mes attaques et mes rechargements et tout sont basés sur le rythme de la musique. Je peux pas attaquer comme je veux en fait.
ça, ça doit être le boss là-bas. Alors, pourquoi je mettrais mes sous à la banque? Je ne sais pas. Oui, d'accord, c'est soit je dépose. Allez, mon score descend si je prends du temps à droite. Bon bah go pour le premier boss hein. Par contre le shift, j'ai l'impression que je peux le faire n'importe où hein. Un drone, c'est pour toi Mata. C'est un jeu, c'est Skyrim, Mata. Oh, c'est pas évident putain de gérer le rythme là. De la merde, c'est terrible, hein. C'est vraiment pas évident. Hein. J'ai l'impression que je le touche pas. En fait, si t'arrêtes de tirer, tu perds le rythme. Oui, avec les trucs sur le côté, ouais, clairement. J'ai peut-être... Alors, j'ai l'impression que, selon l'arme, le rythme à utiliser n'est pas... n'est pas le même. Attendez. Je vais remettre quand même le... Enfin, peut-être ça, du coup. Eh ouais, voilà, le flingue est beaucoup plus rapide que le shotgun, en fait. Après, les délires psychédéliques des couleurs, est-ce que je peux les contrer ? Alors celui-là, je vois même pas ce que ça enlève en fait comme, comme filtre, celui-là. J'ai l'impression que ça enlève rien. Process. Je sais pas du tout. Ouais, le flingue a un rythme beaucoup plus rapide en fait. Hein. Le shotgun n'était pas évident à maîtriser. Ah oui d'accord, il faut lui donner une pièce pour avoir un damage up. Ok d'accord. Ok. Attendez, on va redonner une pièce au bégard pour voir ce que ça fait. J'aime beaucoup le côté roguelike en haut à gauche avec la map et tout ça. Hein ? Ah, c'est une challenge room ça. En fait, j'ai presque envie de tirer dans le vide pour garder le rythme.
que dès que j'arrête de tirer, en fait, je perds le rythme. Bon, c'est vraiment pas évident. Hein. C'est que déjà, de base, je suis quelqu'un de pas très doué, alors... On va niquer lui, c'est le plus gros. Voilà. Alors tu vois là je recharge parce qu'en fait je rate mes coups et je crois que j'ai plus de balles. Mec, je peux m'en sortir quoi, au secours! Voilà, il est chaud, il est chaud! Je rate tout, j'ai plus de bon beat! Ok, non! Oh là là, au secours! Oh là là! Par une bouche grave. Je connais pas du tout Devil Daggers. C'est un jeu de rythme aussi ? Oh mec, j'arrive pas ! Attends. Mec, ça me demande un effort de me concentrer sur le beat. Terrible. Oh ! Un nouveau gun. What? Item room. N'a pas de clé. Salut Modirictus. Modirictus, c'est bien toi qui est dans la guilde sur le jeu mobile, on est d'accord hein. Sur Might and Magic, c'est bien toi hein. Ok, ok. Parce que je regarde dans la guilde sur Might and Magic et je vois mais Modirictus, il me dit quelque chose ce nom, tu sais. C'était bien toi, ok. Oh, j'ai tellement de bon rythme sur ce flingue. Oh non, il faut charger une balle par une balle. Par contre, il a l'air de DPS violemment. Alors, la clé... Speed Multiplier. Attends, mais ça veut dire que ça fuck mon rythme? Ah non, c'est moi qui... Attends, mais je vais plus vite aussi, en fait. J'ai un bon feeling avec cette arme, là, au niveau du rythme. C'est quoi comme ça le... d'huile, on s'en fout. Grave, c'est tellement ça. Merde, c'est quoi ça? Une armor. La librairie. On n'a pas de clé, ok. J'aime beaucoup le jeu, mais je peux comprendre que le côté visuel peut vous repousser. La musique est super cool. Le visuel un peu détraqué rouge. Ce que je me demande, c'est est-ce que c'est que ce niveau-là qui est en détraqué rouge? Est-ce que les autres niveaux ont d'autres couleurs, tu vois? Bon, allez, second try.
Non, pour esquiver ses attaques, c'est vraiment pas clair. Hein. Oh! Salut Arch! Ouah, mais mec, son attaque là pour l'esquiver, c'est impossible quoi. Mec quoi, what the fuck? L'arme était cool hein. En fait il fait droite gauche son attaque hein. Oh t'as vu tous les stages qu'il y a? Mais tout le monde me dit que ça fait mal aux yeux mon gars. D'ailleurs attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Ça déjà. Ça roule à blois tout de suite. Petit café. Et si j'achète le jeu comme ça alors? Là, le premier gun il a un rythme beaucoup plus rapide. Quoique non. Check là-bas. Ok. Ouais, bah ouais, Hirsch. Mais moi, c'est l'hiver, donc je sortirai mes bonnets, tu vois, je m'en bats les couilles. Sérieux? Nice! J'aime beaucoup le jeu, hein. Est-ce que c'est moins fucké au niveau des couleurs, du coup, si je laisse la saturation comme ça? Peut-être que je peux mettre une très légère saturation, on va trouver le bon réglage au fur et à mesure ensemble. Hein. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Je t'avoue, moi, le côté rouge aussi. Je suis pas non plus un méga fan. Mais le jeu est vraiment, vraiment sympa. C'est difficile hein, par contre. Hein. D'attaquer en rythme là, de toujours être sur le beat de la musique. Viser et être sur le rythme de la musique, c'est... c'est pas évident. Il va me falloir une clé que je n'ai pas. Je vais explorer pour trouver une clé avant d'aller au boss. Ouais, Ozu, c'est extrêmement difficile, ouais. Je suis trop con, putain. En fait, là, si t'attaques pas dans le rythme, ça fait rouge comme ça, et du coup, tu peux pas attaquer. Pour recharger, tu dois être dans le beat aussi. Pour faire des sauts, par contre, tu dois être sur le off-beat. Tu vois, les beats, c'est les grands traits, les off-beats, c'est les petits traits. Si tu veux faire un double saut, il faut être sur le off-beat. Enfin, c'est vraiment pas du tout évident, hein. Franchement. Mais mec, à quel moment j'ai autant de clés, what the fuck? Basse coffre, pas de clés.
J'ai peut-être pas assez d'esquive aussi, hein. Putain, par contre, quand je perds le rythme, pour réussir à me remettre dedans, c'est chaud, hein. Grave. En fait, quand tu perds le rythme, en fait, j'ai presque envie de toujours attaquer, quitte à pas être précis, en fait. Ah, les crits font des dots, très bien. En fait, j'aimerais bien passer le premier stage pour avoir sûrement d'autres musiques et plein d'autres choses. Le jeu là, vraiment cool, hein. Et je vais m'empresser de regarder c'est qui le compositeur du jeu. D'ailleurs, j'ai commandé le livre de Amnesia Rebirth. Les développeurs, ils se sont inspirés d'un livre. Et j'ai commandé ce livre, du coup. Et je vais voir ce que ça donne. Oh putain, c'est une version géante, super! Déjà que je perdais sur la version normale. Wouah! Ok, j'ai compris. Mais j'ai compris trop tard, mais j'ai compris. Oh là là, ce qui me met, what the fuck, quoi. Mec, je lui fais zéro dégâts, je viens de voir. Le livre, c'est une histoire vraie d'un mec qui a survécu dans le désert. Et ils se sont inspirés de ça pour une partie du jeu. C'est un mec qui a fait une expédition dans le désert du Soudan. Et qui s'est retrouvé dans une situation critique. Et qui a dû survivre dans le désert. D'après ce que j'ai compris. Hein. Je suis pas sûr que c'est au Soudan, mais c'est dans un désert. Ah, oh, je suis deck, je vais mourir alors que j'ai capté les trucs, quoi. Je pense que le prochain try, il va tomber, du coup. Putain, alors j'ai 5 HP, là. Ah, les poteaux, hein, ouais. En fait, j'ai... Oh non, j'étais en x37, j'ai tout perdu. Oh là là, bon, j'ai compris, c'est bon, prochain try, il tombe. Parce qu'en plus, j'avais le flingue de base, sur les autres runs, j'avais réussi à choper d'autres armes. Mais ouais, le bouquin, attends, c'est ça, regarde, je peux le share. Attends, 2 secondes, hein, je suis retourné Windows. Voilà, c'est ça. Bon courage, je vais le dire. Bon service. C'est ça, le bouquin. Donc, 12 naufragés... 12 marins naufragés américains sur les côtes d'Afrique en 1815, capturés par des nomades, vendus en esclavage. Enfin, une histoire de ouf, quoi. Ça a l'air 12h minuit. Wouah. Bah bon courage pour de bon, lui dire vraiment. Courage. Ça avant le confinement, c'est ça, il faut bosser à mort. Classique, hein.
Bon allez, ce coup-ci, le boss. Flawless clear, let's go! Le boss. Oh, on avait jamais vu ça, what the fuck? Dans la restauration aussi, Modirictus. Ah, d'ailleurs, Modirictus, je sais pas si t'as vu, la guilde est passée. On est top 15 sur le serveur ou top 10, je sais plus. Putain, par contre, j'ai plus que 25 PV, quoi. J'ai fait de la merde. Ouais, clicking, ouais. J'avais eu une meuf aussi qui était infirmière, c'était hardcore, quoi. Médico-social, ok. Bah, t'as du boulot, j'ai envie de dire en ce moment. Ouais ouais, alors, il faut qu'on y rejoue là. On se fera sûrement une session cette semaine. Mais ouais ouais, j'ai pas lâché l'affaire. Et je joue pas mal à Last Epoch aussi en off en ce moment. Avec nous à Planet Side 2, toi? Je sais même plus. Fort probable que oui. À l'époque, en tout cas. Bah, en fait, j'ai de la range en fait, hein. J'avais pas capté. Le pire, c'est de perdre le rythme, quoi. Oh, c'est quoi ça? Bags of coin. J'en étais sûr, mais je l'ai quand même fait. Mais j'en étais sûr. Terrible. Je sais pas si je pouvais l'esquiver ou si c'est genre sacrifice, quoi. Heureux. Petit lag, hein. Ça, on a rien, c'est rien de regarder. Donc la librairie, du coup, il faut quoi? Il faut une clé forcément pour y rentrer, ok? Putain, je perds trop de life là. On a des pièces, on pourrait acheter de la life. Hein. Mais ça, c'est quoi du coup? Speed up. Je vais mourir là. Putain, quand je suis off beat, en fait, je fais que des off beat. Je suis off, 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 off. Je vais aller au boss avec 25 PV, mec, c'est ridicule. On va retourner voir le piaf.
Même le dash il est en bits en fait. Oh elle était pas morte, je crois qu'elle était morte putain. Bah tout à l'heure on a vu sans me faire toucher, j'ai tenu longtemps avec 5 PV hein. Mais il faut des clés madame. C'est quoi toutes ces clés quoi? En fait j'ai eu de la chance d'avoir des armes sur les premières runs quoi, j'ai l'impression. Oh là tout ce qu'il y a, quelle horreur. Comment je suis censé éviter ça quoi. Je suis obligé de m'approcher parce que j'ai une range de clodo. Une clé plus... Je sais pas. 25 HP, solide. Ok, je sais pas ce que ça fait ça, mais... Toi tu vois plus rien, je suis mort hein. On va aller voir le boss, on est mort. On arrive dans la salle, il va mettre un coup, on est mort. Salut Aza. Eh oui. En même temps, j'ai envie de dire que t'arrives sur le meilleur jeu de la matinée, donc... En vrai, on aurait dû garder la clé et ouvrir ça, on aurait eu une arme. Mais là, c'est mort, je suis sur le boss, on est fini, là. J'ai fait Torchlight 3, Dark Shadow Genesis et celui-là. Bon là c'est la version normale mais je vais mourir. Oh là là, putain, dès que je vois du jaune, il faut que je dash, quoi. Torchlight, c'était sympathique dans l'originalité. Le jeu est beau, mais trop fouillis. Et je trouve que les stats des items, c'est pas assez détaillé. Enfin, ça me fait penser à un hack and slash très casual, avec un style graphique très fouillis. Donc bof, bof, quoi. Original, mais bof, quoi. On le connaît pas, lui. Ok, 5 pièces et on a le shotgun. Mais ta mère, je suis coincé dans le poteau. Oh là là, terrible, le mec il perd 25 PV comme ça quoi. Je suis dégoûté. Y'a le boss là. En vrai,
si c'est le boss de base, j'ai presque envie d'y aller avec toute ma vie. Je suis sûr que je le tue avec les trucs de base. Et donc ça, Zaz, c'est un jeu de tir, mais basé sur le rythme. Tous mes tirs, tous mes rechargements, tous mes mouvements sont basés sur le rythme de la musique. Je peux pas tirer comme je veux en fait. Oh non, je me prends des dégâts là-dessus. Tout dans les touches. Oh, il me retire ce... Mec, avec le shotgun, je l'aurais tué 20 fois, quoi. En fait, je voulais aller à gauche, en même temps, je voulais reload. Et du coup, j'avais plus de doigts disponibles sur ma main. Terrible. Bah, si tu veux que ce soit pas sombre... C'est comme ça. Tu me dis ce que tu préfères, ok? En vrai, je trouve que ça va là. Si tu mets pas trop fort, ça va. Le jeu de base, c'est comme ça, ouais. C'est très 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 saturé, quoi. Dégoûté, je prends des dégâts à la fin. Par contre, masse pognon dans la room là. Hein. 20 balles! Mais en vrai, à 40%, c'est ok. Hein. Attends, mais là, j'ai 20 balles. Là. Il faut que je trouve un shop là. Moult clé. Yes. En fait, j'ai envie de faire du... The Outer World. J'ai envie de découvrir The Outer World. Le Fallout-like, là. Mais si je le fais, il faut que je prenne plus que 2 heures, je pense. Parce que découvrir un RPG Fallout-esque en moins de 2 heures, ça paraît quand même difficile. Mais pourquoi pas, hein. Parce que là, les jeux qui restent sur le mercredi découverte, j'ai pas envie de les faire. Donc soit ça, soit fuck et je fais du Last Epoch ou du Planet Side 2.
C'est pas des jeux de merde, mais c'est pas des jeux dans lesquels je suis pas dans le mood. C'est des jeux typés gestion, j'aime bien, mais là j'ai pas envie en ce moment, je sais pas pourquoi, mais... C'est un style que j'aime bien, mais là j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Oh ta gueule, arrache tout, t'es relou. Bon bah go au boss, hein. Mec, j'ai 26 pièces, quoi. Et pas de shop, c'est triste. C'est la tristesse. Et à gauche, je sais pas ce qu'il y a. C'est quoi ça déjà là-bas ? Il me faut une clé. Ah non, c'est ça. Mais je suis déjà full. Bon, en vrai, on va affronter le boss full life, hein, donc c'est déjà bien. Allez, le petit draught. Oh, je l'ai esquivé ça. Je suis plus d'un rythme, au secours. Attends, mais what? Si je bourre, je peux tirer en... sur les off-beat aussi? Ah, ok. Oh, mais c'est impossible de tirer sur les off-beat, what the fuck? Bah non, j'arrive que à faire des deux par deux, au secours! Ah, y'a de la musique en plus pour capter son tir, quoi. Eh ben enfin! Combien? 5 try, 6 try? Mais attends! En fait, si je suis rapide, je peux... T'es mort? Ah, mais mort de rire! Ok, plus de range. Niveau 2. Donc du coup, est-ce que la musique va être différente? J'espère que oui. Après, Asgard 2, on est encore dans la même zone. La musique est différente, ok. Mais attends, du coup... Ouais, donc en fait, si tu gères bien, tu peux attaquer très vite avec le gun, mais faut être chaud du timing, quoi. J'essaie de faire le rythme rapide, mais j'arrive pas, enfin c'est vraiment chaud quoi. Grenade là, grenade!
Eh bien, bon, on a pas perdu beaucoup de vie, mais... Oh! Bah attends, mais il est en moto. Ok, d'accord, ouais. C'est de la rafale, quoi. Donc en fait, si t'es sur le beat, ça fait comme si t'étais en automatique, je pense. C'est tac, 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 tac. C'est presque toutes les demi-secondes, non? Pas mal l'arme, hein. Ce rythme-là, je le gère. Le tac, toc, tac, toc. Tu vois ? Là, j'arrive à enchaîner les tirs. Mais en fait, on peut être beaucoup plus rapide. Oh, attends, j'ai trouvé un truc, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Putain. C'est vraiment sympa, hein. Après, je pense qu'il faut jouer au jeu pour se rendre compte du gameplay, parce que c'est vraiment unique. Bah, en vrai, non, j'aime bien l'arme là, hein. C'est très très sympa, hein. Le 1, 2, 3, 1, 2, 3, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Allez, je trouve un bon rythme là. Par contre, je suis très loin de faire des bons combos et être parfait, mais bon. Petite popo. Voilà, je bourre, madame. Ça y est, j'arrive plus. J'arrive plus, j'ai perdu le truc. Et il coûte que 15 balles ce jeu, hein. Ah, je vais mourir. Les musiques sont vraiment nice, hein. Nickel, il est 11h50, faut que je m'arrête, donc on va aller lancer le boss. On va mourir sur le boss, au moment où on l'aura vu. C'est très très sympa, hein. Ymir. Oh mec, je mets tellement cher. Oh là là. Le poteau. Ah, je pensais pas qu'il... Attends, il m'a touché à travers le mur, what the fuck? Eh ben écoutez, c'est la meilleure découverte de la matinée alors qu'elle était pas prévue. Très sympa, hein. Bullet per minute, ça s'appelle. Bon, le style, voilà. Ne plaira pas forcément à tout le monde, le style visuel, hein. La musique est fat, hein. Je pense que là-dessus, on peut tous s'accorder. N'est-ce pas? On va aller raid quelqu'un, messieurs, et on revient cet après-midi. J'hésite vraiment à faire du Outer World cet après-midi. Mais on verra ce que ça donne. Bon appétit à vous. Tiens, je vous envoie chez Silkinel qui fait du Crusader King 3. Très très bon jeu, hein, si vous avez votre livre d'histoire ouvert à côté de vous.
On verra ça à tout à l'heure. En tout cas, très bon jeu, hein, ce petit BPM là. Allez, bon app les gars. Restez jusqu'au bout pour le raid, comme ça vous aurez les points de chaîne. Et n'hésitez pas à aller sur le Discord pour rajouter les jeux que vous voulez gagner sur la Tombolane. N'hésitez pas à le faire. Allez, à tout à l'heure, des bisous.